Coucou les cupcakes, on est vendredi 8 octobre, il est 7h50, les garçons sont en train de prendre leur petit déjeuner, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée ensemble. Pardon, j'ai très mal à la gorge et ma voix va être horrible, I'm sorry. Recoucou, je vous reprends les 8h45, j'ai emmené les petits garçons à l'école, avec cette sale gueule là en effet. Là je suis rentrée, j'ai ouvert tous les volets de la maison, j'ai fait mon petit brin de vaisselle. Le petit rangement, j'ai plus rien à faire, j'ai fait le linge et j'ai lancé une lessive. Je pense que je vais me mettre sur mon Inktober devant le PC ou sur le montage. Et du coup, je t'emmène avec moi pour ce début de journée tranquille. Et Doudou et Chat dorment. Voilà. Beignet time. J'achète chez Lidl, ils sont à 49 centimes, je crois, ou 45 centimes l'unité, dans fond de choco noisette et aux fruits rouges. Et ils sont très bons, vraiment, si vous aimez les beignets. Après, c'est gras, donc je suis pas sûre de tout manger, mais j'aime trop ça de temps en temps. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Boubou? Et toi, Nounours? Qu'est-ce que tu fais, Norf? Je vous reprends, il est midi passé, les garçons ont mangé. On a des messieurs qui sont venus pour le ramonage de la chaudière, donc ça s'est bien passé, nickel. On a cherché Discord partout parce qu'on croyait qu'elle était enfuie dehors et en fait elle a eu peur de l'aspirateur et c'était caché dans le box. Ma voix ne s'arrange pas, hein. Comme vous pouvez l'entendre, c'est bien pourri. Je suis désolée pour vos oreilles, pour le son que vous allez avoir, c'est magnifique. Bref, voilà. Moi je vais aller me prendre une douche, ça va me faire du bien et après je vais essayer les vêtements que j'ai reçus parce que je viens de recevoir mon colis Shein. De toute façon je vais vous montrer tout ça et moi je vais essayer voir comme ça après j'essaye directement et je vous dis ce que je garde ou pas et voilà, let's go. Du coup je vous reprends après la douche et là je vais vous montrer un peu le colis Shein, du coup let's go. Le premier item c'est cette petite robe pull avec des citrouilles comme ça, elle est un peu large, j'aime trop. Soit je peux la faire tomber comme ça. Ça, je peux la mettre genre vraiment en mode le col au milieu. J'aime bien. C'est court, mais en même temps, je porte que des trucs courts. Avec un petit short en dessous, ça passe crème. Avec des bottes, ça peut être trop beau. J'aime trop. J'avais pas de vêtements avec des thèmes Halloween. Et là, elle est vraiment trop belle. Hihi. Bon, j'essaye la suite et je vous montre. Du coup, le deuxième item. Oui, c'est un caleçon à doudou. Le deuxième item, c'est ce petit haut citrouille, pareil, que j'ai trouvé vraiment trop beau. Il est trop mignon. Et il est super confort. Avec une petite jupe noire là. Ça va trop bien avec mes cheveux. Hein. Voilà, bref, j'aime trop. C'est les deux seuls items un peu Halloween que j'ai pris. Parce que je me suis dit de ne pas abuser. D'en avoir deux, c'est déjà bien. Alors, en troisième, j'ai pris ce haut. La dernière fois, je me faisais la réflexion. Qu'est-ce qui manque vraiment dans ma garde-robe? Et je me suis dit un haut avec plein de couleurs. Genre les couleurs de l'arc-en-ciel un peu. Et j'ai vu celui-ci. Il est vraiment trop mignon avec son petit col montant. Parce que je peux le mettre comme ça, tout simple, avec un petit pantalon en jean ou quoi, ou avec une petite robe salopette, ça peut être vraiment trop mimsou, et ça irait trop bien avec mes baskets blanches arc-en-ciel. Voilà, je le trouve très mignon, il est super confort. Vraiment au top, hein. Ils font pas mal de petits trucs sympas chez In. Hein. Bref, là je vais vous montrer ce que j'ai acheté, le reste c'est que des chaussettes et des accessoires, donc... Ensuite j'ai pris trois lots de piercings, j'ai tout mélangé, hein. J'ai pris des fers à cheval comme ça avec... Oui, j'ai encore les ongles avec la coloration noire, c'est horrible. J'ai pris des fers à cheval avec des billes colorées, des fers à cheval avec des spikes colorés et des barres de labret. Et également deux piercings au nombril, donc il y en a avec une rose comme ça qui pend et un là avec un anneau. Ensuite, j'ai pris un lot de bagues noires comme ça. Oui, deux secondes, Titi. Maman, elle finit juste ça, je te donne. Voilà, des bagues un peu en tout genre, elles sont vraiment trop mignonnes, j'essaierai de vous les montrer mieux après. Je me suis repris des pilous. J'ai craqué sur celles-ci. Elles sont trop kiki. Après, une paire rose classique. J'ai également pris une paire de chaussettes montantes blanches, comme ça. Que je trouvais vraiment trop mignonnes. Elles sont basic de chez Basic, mais pour aller avec plein de trucs, c'est super cool. Et pour finir, un petit sac à main en pilou, comme ça. Trop beau. Depuis le temps que je le voulais, j'hésitais à le prendre. Je l'ai pris en léopard, mais je pense que la prochaine fois, je l'achèterai en rose, parce qu'il est trop beau aussi. Et voilà, c'est tout pour mon petit haul. J'ai mis ça comme ça pour vous montrer vite fait, hein. Bah du coup je pense que je vais mettre ça aujourd'hui en vrai. Hein. J'aime trop. Je vais mettre ça avec mes bottes je pense. J'ai mis mon petit collier noir, des petites bagues. Je trouve ça trop kiki.
Petit micro retour de course. Je vais montrer ça en premier. Sacha qui a pris ça. Je connais pas du tout. Voilà. Mais le nom est rigolo. Rouski, c'est mignon. Ça. Moi, j'ai pris du pain. Des sticks au chocolat blanc. Ça pour être Millie. Je sais qu'on aime bien toutes les deux. J'ai trouvé un chocolat blanc nougat in pistache. Il me semble que je l'avais déjà goûté, que c'était super bon. J'ai pris aussi des sneakers chocolat blanc. Oui, je vous avais dit que j'avais très envie de chocolat blanc. Bah voilà, j'avais fait la radia de chocolat blanc. Et des Kinder Bueno chocolat blanc. Et après, je me suis repris une Monster à la mangue et une d'Espé Rouge. Voilà. Un petit bout. S'il te plaît, oui. Un croquet dedans, c'est... Tu montes le truc du chocolat rousquille. Je vais goûter. Je crash test. On dirait que le biscuit est un peu citronné. Et ça s'effrite super facilement. C'est plutôt bon. Non, je mets pas 3 minutes. C'est ce que je pense que vous avez un petit biscuit pour aller avec le thé. Vous savez, genre vraiment, je mange un petit biscuit avec ton thé. Ouais. Je pense que si tu le trempes, il se dissout. Ouais. Ah ouais, clairement, parce que... Mais c'est plutôt bon. Je sais pas si vous connaissez. Dites-moi. Moi, je trouve ça bon. Et moi, je dis c'est pour prendre avec le thé. Je suis avec ma déesse. Voilà, voilà, quoi. Non, moi, je vais... En fait, je pense que mon repas du midi, bah, ça va être un goûter. Parce que j'ai envie de manger du goûter. Voilà. C'est parti. Arrête de jouer. Je ne fais pas partie de l'Asie. Recoucou. Oh, la voix. Je vous reprends, il est 17h30. Et comme vous avez vu, j'ai joué au Indict avec Chat, mais aussi avec... Millie, qui est venue du coup pour une soirée potin entre filles. Ouais. Ça va être trop bien. Oh putain, mes cheveux fondent un peu. Faut que je les recoiffe. Bon, voilà. Du coup, on a joué un petit peu au Indic. C'était vachement cool. Et là, on va se poser. On va se mettre un petit peu sur Animal Crossing potentiellement. Et voilà, voilà quoi. Tranquillement. Écoutez un peu le calme. Les enfants sont avec Doudou à la cave qui est en train de fabriquer le lit à Zézé. Chat, il est dehors. Ça fait sa clope. Et nous, on est là au calme. Ça fait du mien. Bref, je vous laisse là. Pas tout est belle, Mimi. C'est multi-sound. Coucou, je vous reprends. Il est 19h, on est en voiture avec Millie. Il y a Chat derrière. Voilà. Et du coup, là, on va à Montargis, on va aller chercher des pizzas. Du coup, vous emmenez avec nous. On mange ça ce soir, tranquillou, et voilà. Ce soir, c'est Mulan avec Millie, on n'en peut plus.